prenez la cote de l'espace interbride côté poste de part et d'autre de l'équipement. Reportez-vous au tableau de correspondance pour connaître la taille des rallonges adaptées à la cote mesurée. Assemblez les rallonges à l'aide des goupilles pour sécuriser l'ensemble fût-rallonge. Insérez les deux ailes internes, puis bloquez-les avec les écrous à l'aide de la clé. Réglez votre butterfly à l'aide de la clé en suivant les indications des flèches reportées sur le fût. Ajustez à une cote de 5 mm inférieure à votre cote relevée initialement. Choisissez votre taille de goujon adaptée à votre PN et DN en fonction de l'équipement à démonter. Liez les goujons à l'aile externe sans bloquer les écrous. Vous avez la possibilité de positionner deux butterflies pour un écartement optimum et parallèle à 3 et 9 heures ou en fonction de l'encombrement à 5 et 10 heures. Insérez les ailes externes puis laissez-les redescendre par leur propre poids. Bloquez les écrous des goujons à cette étape. Placez le premier butterfly dans les deux espaces interbrides. Venez le solidariser aux ailes externes à l'aide des vis de liaison. Utilisez les écrous de liaison sans les bloquer à cette étape, puis insérez la vis de butée anti-pincement. Une fois celle-ci en place et réglée, terminez le blocage des écrous de liaison. Accrochez les deux chaînes de sécurité sur les ailes internes et externes de chaque côté du butterfly. Reproduisez le mode opératoire de part et d'autre de l'équipement avec le second butterfly. Desserrez les écrous des tiges filetées avant de procéder à l'écartement en suivant les indications des flèches reportées sur le fût. Réalisez de manière simultanée l'écartement des deux butterflies pour un meilleur équilibre des forces et éviter le pincement des joints.